m'appelle Gilles Caron, je suis professeur ici à Nantes, au laboratoire Jean Leray, et je vais vous parler d'une petite curiosité mathématique. Donc on commence par faire ce calcul-là, que vous avez peut-être fait en L1, qui est quand on calcule la dérivée seconde de la racine carrée de 1 plus x2, vous trouvez 1 sur 1 plus x2 à la puissance 3,5. Alors maintenant, vous prenez avec un peu de courage, vous calculez la dérivée quatrième de 1 plus x2 à la puissance 3,5, et vous trouvez 9 sur 1 plus x2 à la puissance 5,5. Oups, je vais trop vite. Et la formule générale, c'est que si vous dérivez 2n plus 2 fois 1 plus x2 à la puissance n plus 1,5, vous trouvez une constante divisée par 1 plus x2 à la puissance n plus 3,5. Donc, ça, a été posté par Terry Tao sur son blog. Il a demandé, il dit qu'il avait une preuve de cette formule, et puis il demandait à la communauté des gens qui suivent son blog d'autres preuves de cette formule, et puis de voir à quelle belle mathématique c'était relié. Donc je ne vais pas ici vous narrer l'intégralité de la discussion, mais uniquement essayer de vous raconter une preuve de ce résultat-là. Donc la première preuve, c'est facile de voir que si vous dérivez... Alors, n plus 2 fois 1 plus x2 à la puissance n plus 1,5, c'est égal à un polynôme p de x divisé par 1 plus x2 à la puissance n plus 3,5. Hein, donc le jeu, c'est que ce polynôme est constant, en fait. Et comment vous pouvez voir ça? C'est si vous développez en série entière cette bête-là, mais au voisinage de plus l'infini, ça commence par x 2n plus 1 plus alpha x plus bêta x plus d'autres coefficients, etc. Okay. Vous factorisez le facteur prépondérant et vous utilisez le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha. Maintenant, si vous dérivez cette quantité 2n plus 2 fois, okay, ici, le polynôme disparaît et ça commence par bêta n 2n plus 2. Factoriel x 2n plus 3 plus les termes inférieurs. Et ça vous dit donc que le polynôme P qui est ici est un polynôme borné. Donc ça, c'est un polynôme. Ok, donc constant. Est égal donc à cette constante. Le bêta n, vous pouvez le calculer. Faites un peu d'arithmétique. Et puis, vous trouvez comme ça cette formule-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner... dans les 2 minutes qui restent, une autre preuve. Donc on part de cette formule-là que normalement on rencontre souvent en mathématiques. Donc si je l'applique à 1 plus x2, vous trouvez que pour si s est un nombre réel plus grand que moins 2, vous avez cette formule-là. Okay. Donc maintenant, cette formule-là en x, vous prenez la transformée de Fourier. Et vous servez de la transformée de Fourier de la gaussienne que vous trouvez ici. Et dans cette formule... Ces deux variables, ces deux quantités jouent un rôle un peu symétrique. Donc, vous faites le champ de variables, vous intervertissez les deux, et vous obtenez, après un peu d'arithmétique, cette brave formule. Ce que vous remarquez, c'est que si vous comparez cette formule-là à cette formule-là, c'est exactement la même, mais à une autre valeur de S. Donc, vous identifiez comme ceci, hein, quand vous regroupez comme ceci, vous trouvez cette formule-là. Okay, donc ça, c'est pas, alors, il y a une symétrie en S, donc ça marche que lorsque S est compris entre moins 2 et 0, et il faut comprendre cette formule dans le dual de l'espace de Schwarz. Alors maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux identités, on peut les étendre au plan complexe, ça donne des quantités qui sont méromorphes, elles sont égales sur un petit intervalle, donc elles sont égales partout, et vous trouvez finalement que pour tout S dans C, vous avez cette quantité-là, et la quantité ici, qu'on fait passer à le xi des relations, ça vous donne que c'est la dérivée... la valeur absolue de la dérivée à la puissance s plus une fois de fs. Okay, donc vous enlevez Fourier et vous obtenez cette identité-là qui, pour... Okay, donc il y a un peu d'arithmétique. Si vous prenez s égale 2n plus 1, vous trouvez avec un peu d'arithmétique la formule voulue. Hein, donc cette formule, c'est un cas particulier de cette brave formule générale qui peut apparaître ailleurs en mathématiques.